bienvenue dans ce deuxième numéro du journal des 2R, édition 2021. Comme d'habitude, nous allons parler de trois news qui se sont passées au mois de janvier, avant de parler de trois pré-news, on va en faire qu'une pour le mois de février, parce que bon, confinement, pas confinement, on sait pas, donc on a décidé de ne vous parler que d'un événement qui va se dérouler au mois de février. Comme toujours, nous reviendrons aussi sur quelques vidéos que vous pourrez voir ou revoir sur nos différents réseaux sociaux, et toujours dans le même principe, je vous rappelle que toutes les informations qui sont évoquées durant cette émission, vous pourrez les retrouver sur la version papier du journal des 2R. On essaie de la faire en panier, c'était beaucoup plus compliqué à lire, donc on ne le fera pas. Vous pourrez aussi la trouver bien sûr sur la web télé des 2R, mais aussi sur les nouvelles des Mureaux. Première grande news de ce début d'année, oui, je suis aussi chauve du crâne que du menton maintenant. Allez, on passe à autre chose et on passe aux news du mois de janvier. Nouvelle collecte des déchets, la grande pagaille. Depuis le 1er janvier 2021, GPSEO a modifié son mode de collecte des déchets. Cela bouleverse les habitudes des habitants des 49 communes concernées et il y a beaucoup de plaintes et de contestations sur ce nouveau process. Triel inaugure sa navette électrique. Beaucoup de choses se passent à Triel-sur-Seine en ce moment. Après le succès du marché de Noël et la mise en place du marché alimentaire sur les bords de Seine, un nouveau projet vient de voir le jour dans la ville. En effet, Cédric Aoun, maire de Triel, a exaucé un de ses souhaits de la campagne municipale 2020. En effet, la municipalité a mis en place une toute nouvelle navette interquartier 100% électrique. Et du 14 au 26 janvier, les habitants de Triel-sur-Seine pourront aller découvrir ce nouveau moyen de transport qui leur est proposé. Leader sociétal, le cœur des entreprises, un concept de leadership. Début décembre 2020, Michel Sapranides, entrepreneur de PME depuis 2004 et président de l'association Mureaux Entreprises, a publié son livre « Leader sociétal, le cœur des entreprises », excusez-moi, j'avais perdu la fin du titre, dans lequel il revient sur sa conception du leadership qui lui a permis d'être un entrepreneur plein de succès et respecté dans la région. Casting mannequinat au Mureaux, seconde édition. Le samedi 6 février 2021, de 9h à 12h, l'agence internationale de mannequinat de Clo Models D-Holz, excusez-moi pour la prononciation si ce n'est pas ça, organise un second casting dans la ville des Mureaux, afin de trouver de nouveaux modèles. Très contents de leur première expérience avec la ville, ils ont décidé de revenir pour trouver de nouveaux talents pour le mannequinat. Et on enchaîne tout de suite avec les 4 vidéos à voir et à revoir. Et on commence avec la manifestation des parents d'élèves du quartier d'Elisabethville qui contestait la sectorisation de la rentrée au collège l'année prochaine. Lancement de la navette électrique à Triel-sur-Seine, on en a déjà parlé, on ne va pas revenir dessus. Yves Vandeval tire un bilan de sa mandature et analyse le jeu politique yvelinois. Tout est dans le titre, pas besoin d'en dire plus. Et enfin, conférence sur le livre de Madeleine Arnaud Tétard qui nous parle de Marie de Brabant, une reine qui a vécu au Mureaux. En conclusion, comme on n'a pas beaucoup évoqué ce qui allait arriver au mois de février, puisqu'on n'est pas sûr de ce qui va avoir lieu ou pas en fonction des événements qui vont se dérouler dans pas longtemps là, confinement, pas confinement, hein, vous avez l'habitude maintenant, je vous invite à faire attention à ce qui arrive en vidéo sur nos différents réseaux sociaux, que ce soit YouTube, Instagram, Facebook, excusez-moi, j'y connais rien, donc j'ai du mal avec les noms. Bref, sur tout ça, cherchez Web Télé des 2R, vous retrouverez les vidéos qui vont vous parler de ce qui arrive dans la région. Et bien sûr, n'oubliez pas la sortie du numéro 149 du journal des 2R qui, comme d'habitude, apparaît quelque part ici, là, là, là. Vous regardez, ça apparaît, voilà. Il n'est pas encore sorti, il va venir, voilà. Si pensez à l'acheter, comme ça, vous aurez quelque chose à lire si vous êtes confiné. Et si vous n'êtes pas confiné, bah, vous pourrez le lire quand même, hein, c'est pas interdit. Voilà, et sur ces bonnes paroles, je vous dis au mois prochain, chez moi, ici, on verra, hein, on ne sait pas. Et puis voilà. Salut !